de vous dedans. Du coup, il m'a dit, oh, je les ai déposés dans la boîte aux lettres ce matin. Hop, me voilà rentrée. Et sinon, j'ai vu que sur les boîtes aux lettres, il y a une seule boîte aux lettres où il n'y a pas encore de nom. Et c'est l'appartement qui est juste à notre gauche, en fait. Ou à notre droite, ça dépend. Et du coup, je pense qu'il n'y a encore personne. Et c'est vrai que je crois que j'ai jamais vu personne aller au fond là-bas. Donc ça se trouve, pour le moment, il n'y a encore personne à côté. Donc je sais pas. Ou alors, ils n'ont pas encore mis sur les boîtes aux lettres. Mais en tout cas, j'ai jamais croisé personne qui allait là-bas. J'ai jamais vu personne sur leur terrasse. Et je sais plus si c'était hier ou avant-hier qu'il y avait du vent dehors. Et que je vous avais montré qu'il y avait des trucs qui volaient. Puis on m'a dit, ouais, je ferais mieux d'aller chercher. Mais en fait, c'est trempé. Et la terre, elle n'est pas tassée, disons. Du coup, ça... Des pièces s'enfoncent dedans et en fait tu fais des traces et après ça empêche l'herbe de pousser. Mais en fait ça doit être les poubelles de quelqu'un parce que chez les voisins il y a un carton de céréales crunch. Nous il y a des sacs plastiques. Là-bas il y a un gobelet. Ça sent bizarre. Donc bref, je pense qu'il y a, ouais, qu'il y a personne à côté. Mais ouais, sinon les gens, je sais pas comment ils ont fait pour que ça s'envole comme ça. Si, je sais pas s'ils ont mis leurs poubelles sur le balcon ou j'en sais rien, mais bon, c'est pas très très cool quoi. Et sinon, maman avait vu qu'il y avait des cigarettes. Et elle avait normalement à peu près tout nettoyé. Du coup, on voulait regarder s'il y en avait d'autres. Là, je crois que j'en vois une. Parce qu'on s'était dit, imagine, c'est les gens du haut qui balancent leurs trucs chez nous. C'est pas cool, mais bon, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste quelques cendres qui s'étaient envolées. Ou alors, vu que c'était quand on venait d'arriver, peut-être que c'était les ouvriers là. Qui avait laissé ça par terre. C'est possible parce qu'à chaque fois sur les chantiers, vous en trouvez partout. Donc là, je vois pas trop l'heure. 11h11. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Je vais guetter ce que je vais faire à manger. Je ne sais pas trop. Je sais pas ce que. D'où ça vient ça? I don't know. Du coup, je vais peut-être attendre mon copain. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je pense que je vais lui envoyer un message parce que hier je l'ai attendu et du coup au final j'avais à peine fini de manger que c'était déjà l'heure de partir, donc bof. Je viens de voir un message de ma maman qui me dit est-ce que vous venez manger demain soir moussaka. Donc là c'est le bonheur. Ce que j'avais envie d'essayer d'en faire, mais du coup j'ai pas encore le temps. Et voilà, c'est la joie. Donc je vais demander à mon copain si il a rien prévu et tout. Bon après par contre je finis à 20. Ah mais je finis à 21h moi. J'avais complètement oublié ce petit détail. Non mais je viens de voir que c'est pas malin. J'avais mis à charger ma vidéo sur mon logiciel de montage et j'ai fermé mon ordi. Ah bah si, ça avait fini avant que je ferme l'ordi, ok. Oh là là. Bon sinon sous un vlog des body time là, Alex et PJ. J'ai répondu à un commentaire de Roxane, donc Roxane Bifit, je l'aime trop cette fille. Et bah je crois que j'aurais pas dû parce que il y a tout le monde qui a répondu sur son truc et du coup je reçois des centaines de notifications. Je vais mettre ma vidéo à charger sur YouTube parce qu'il faut aussi que je fasse la miniature. Mon cerveau doit être en ligne à 17h. Mais bon, comme après moi je serai en stage donc je vais pas pouvoir m'occuper de tout ça. Bon c'est bon, mon copain m'a répondu, c'est des lasagnes donc faut que je les fasse réchauffer au four. Donc comme ça je fais préchauffer. Enlever cette feuille d'abord du four. Enlever ça vraiment. Donc je vais faire préchauffer le four et comme ça, en attendant, je vais me doucher. Par contre, je suis en train de penser qu'il me faut un truc pour manger ce soir, mais que il n'y en aura peut-être pas assez là. Hop, je vais faire un chignon à la va-vite. Je sais pas si je vais garder ça. Hein. Donc voilà, pour ce soir, du coup, je vais me faire juste des pâtes avec un steak, parce que voilà. Et ça se chauffe dans le four et mon copain m'a fait, il arrive d'ici moins de 10 minutes. Donc je vais commencer par la vaisselle. Hop, c'est parti, je suis dans la voiture. Let's go. Il fait trop chaud dans la voiture, elle est au soleil. À chaque fois ça met la radio, ça met des trucs chelous. Bon, je me suis garée à un autre endroit, je sais pas si c'est plus court à pied ou quoi. On va bien voir. Donc c'est parti, par contre je suis en train de mourir de chaud avec mon écharpe. Il y a un soleil de fou. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Je vais regarder vite fait la météo, on ne sait jamais, pour voir ce qui est prédit de ce soir, que je me retrouve pas sous la pluie, parce que vu que l'autre coup il faisait du soleil comme ça et puis que voilà. Pour l'instant risque de pluie zéro. Et ils annoncent pas de la pluie après, normalement hein.
D'après ma météo, soleil et nuage, mais c'est tout. Purée, il s'est garé. Ah, je pensais bien, il s'était garé hyper près de moi. Parce que du coup, là, je suis garée au milieu de la route. Donc, c'est à dire que c'est pour éviter de se coller à moi que je puisse sortir tranquille ce soir. Bon, du coup, pour marcher, on est un peu obligé de marcher au milieu de la route. Ah, il y avait une place plus près, tiens. Pas une place. Un bord de route plus près. Donc let's go, let's go. Jusqu'à 21h, donc ça va être un peu plus long qu'hier, mais ça va, je me suis emmenée à manger du coup. Un petit goûter aussi. Donc voilà, et peut-être que je sors ce soir, j'hésite encore. Hello. Bon bah voilà, journée terminée. C'est passé très bien, vite. C'est passé grave vite, franchement c'était une bonne journée. Hop, me voilà dans la voiture. C'est un peu loin quand même là aussi où je me suis garée vivement. La semaine prochaine, je suis le matin, enfin vivement. Le matin faut se lever, mais au moins j'aurai des places au parking tout près. Ça me fait carrément un fond. Ah bah là je suis carrément noire, c'est génial. Bref, on rentre à la maison. Voilà voilà, arrivé, je laisse la voiture dehors tout simplement parce qu'après je sors, voilà. J'avais envie d'un peu de faire la fête et puis mes copines qui sont en cours, et bah elles sortent ce soir, soirée étudiante, du coup bah je sors avec elles. En plus vu que demain je rentre tard, ça va. Donc voilà, je vais retrouver mon copain et puis je vous retrouverai tout à l'heure que je me prépare à ma face. Bon, me voilà dans la voiture, on voit pas grand chose, je suis désolée. Là je suis arrivée vers chez une copine chez qui je rejoins les filles en fait. Du coup elle habite pas loin de chez moi, donc ça c'est cool. Et donc voilà, je leur ai envoyé un message pour savoir si elles descendent ou si je monte ou pas. Et puis ensuite on sort, voilà. J'espère que j'ai vraiment rien oublié, j'ai pris mon portefeuille, tout ça, tout ça. Jeanne m'avait demandé de prendre un truc, j'ai oublié, bien sûr. Enfin bref, du coup voilà, j'attends qu'elle me réponde et puis... ce soir c'est la fiesta. Donc je pense que ce vlog il sera sûrement pas à 10h demain. Je suis pas sûre de me lever à 10h demain. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et à demain.